amis de Mécanicus, nous sommes dans le circuit de Saint-Onge et nous testons la Clio 4, la version sportive de la Clio 4, la RS Trophy, dotée d'un châssis sportif. Elle est conçue pour le pilotage et pour les sensations fortes. D'ailleurs, nous la testons sur circuit fermé pour en mesurer toutes les capacités. Et je vous préviens, ça va être du sport dans un moment. Alors le tour que nous effectuons, c'est un tour de déchauffement en fait. Chauffer un peu le moteur, chauffer un peu les pneus. Et puis après, il y aura des sensations fortes, je vous le promets. Alors la Clio, grosso modo, est une voiture qui est impeccable. Les plastiques sont de très bonne facture. La finition est juste géniale. Elle est dotée du système AirLink que vous voyez ici, qui équipe un peu tous les modèles Renault actuels, tous segments confondus. La voiture a un comportement juste incisif. J'adore les bruits de décompression quand on relâche l'accélérateur. C'est juste hallucinant. On sent en fait toute la verve et tout le potentiel que possède cette voiture sous le capot. Alors nous entamons nos premières entrées de piste. Vous entendez ronronner un peu le moteur en background. J'adore. Alors devant nous il y a un véhicule, ce qu'on appelle le safety car. Juste devant, c'est une Mégane RS qui nous montre un peu le chemin et qui bat en fait la mesure à suivre. Donc on nous demande de rester sur la gauche. On va revenir un petit peu au bercail avant de repartir sur un pas plus sportif. Restez avec nous. Alors, retour au paddock, ça ne devrait pas trop tarder. On se met en piste. Feu vert pour la voiture de devant. Let's go! Est capable d'aligner le 0 à 100 km en seulement 6 secondes 6. 6 secondes 6, c'est énorme. Nous montons très haut dans les régimes et la voiture est incollable. Il y a tout le temps du coupe à volonté. Regardez-moi comment cette voiture prend cette aiguille sans trop de problèmes. Nous sommes presque en drift, mais là, nous accélérons et c'est juste. Le SP fonctionne à merveille, il remet la voiture dans le droit chemin, même dans des aiguilles très très escarpées, très très laborieuses, la voiture revient tout de suite en ligne droite. C'est du pur bonheur. Décélérer parce que la courbe est intense. Je rappelle que les
les vitesses sont passées sur les palettes au volant. Alors nous sommes en pleine campagne bordelaise. Nous avons droit à un soleil maghrébin.